Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la Pause Tech. Après avoir été très sérieux avec la réglementation, on va se laisser le droit de rêver un peu. Je vous ai posé la question sur les réseaux sociaux, quelle serait pour vous la fonctionnalité qui vous ferait craquer pour un éventuel Mavic 3 ? On va voir tout de suite le meilleur et le pire des réponses et ce que j'en pense. Tout de suite, générique ! Alors, avant de commencer, je vous préviens tout de suite, hein, je n'ai aucune nouvelle par rapport au DJI Mavic 3 qui serait à venir en 2020 et personne n'en a. Cette vidéo est juste là pour se faire plaisir, pour parler entre personnes de la communauté et voir un petit peu quelles sont les fonctionnalités qu'on attend vraiment sur ce type de machine. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez partager, débattre dans les commentaires et comme ça on verra un petit peu quelles sont les fonctionnalités qui sont vraiment les plus attendues sur ce type de modèle. D'ailleurs, si vous souhaitez partager, échanger, discuter avec les autres membres de la communauté, on est pas mal présents sur Instagram et je vous conseille d'y aller pour deux raisons. La première, c'est parce que c'est fun et c'est là où il y a les échanges les plus riches. Et la deuxième, c'est parce que plus on a un compte Instagram fort et plus on a d'influence auprès des marques. Et j'ai eu plusieurs commentaires qui m'ont demandé « Ah, est-ce que tu as des infos sur les nouveautés DJI, Parrot, Tunic ? Est-ce que tu sais s'il y a tel modèle qui va sortir, si tu vas l'avoir, etc. ?» Et moi, il faut savoir qu'avec ces marques, je n'ai absolument aucun lien. Et j'ai beau avoir essayé par mail, par téléphone, sur les réseaux sociaux, j'ai jamais eu aucune réponse. On m'a ghosté du début à la fin. Donc voilà, si vous voulez m'aider à avoir un peu plus d'influence pour les tests, allez vous abonner sur Instagram, le lien est en description. Donc comme je disais tout à l'heure, je n'ai absolument aucune info sur le sujet, personne n'en a sur internet. Les rumeurs qui courent aujourd'hui sont infondées sur le Mavic 3, enfin du moins tout ce que j'ai pu en voir. Et il y a d'ailleurs le Mavic 3 qui est annoncé pour fin janvier, bon... vu qu'on est début février, je pense qu'on peut facilement dire que cette rumeur était infondée. Donc aujourd'hui, on fantasme. J'ai dit qu'on fantasme ? Non, je ne crois pas, non. Donc la première des fonctionnalités que vous souhaitez tous voir apparaître sur le drone, c'est une meilleure autonomie. On a vu l'Evo 2 qui annonçait l'autonomie jusqu'à 40 minutes et on se dit bah pourquoi pas sur un appareil DJI, au moins une bonne dizaine de minutes de plus d'autonomie, c'est quelque chose qui vous ferait beaucoup envie, c'est quelque chose qui me ferait beaucoup envie, d'autant plus que quand on connaît le coût des batteries qui valent entre 130 et 150 euros sur le Mavic, bah avoir plus d'autonomie c'est acheter aussi moins de batterie, donc ça serait plutôt pas mal. Alors est-ce qu'on peut attendre une autonomie de 40 minutes comme l'annonce Evo ? Bah je pense qu'il faut pas trop rêver non plus parce qu'on n'est pas sur une rupture technologique en ce moment au niveau des batteries. Donc on va plus attendre des petites améliorations qui vont peut-être faire gagner 5-10 minutes d'autonomie comme ce qui est annoncé actuellement sur les nouveaux appareils sur le marché. La deuxième fonctionnalité super attendue et qui est énormément ressortie aussi, c'est un évitement d'obstacles à 360 comme le Skydio 2 bien évidemment, qui est maintenant la référence sur le marché en termes d'évitement d'obstacles. C'est vrai que si on regarde les capacités du Skydio 2 aujourd'hui, quand on regarde les capacités d'évitement d'obstacles du Mavic 2, on a l'impression que c'est un papy. Intégrer cet évitement d'obstacles sur cette nouvelle génération d'appareils, ce serait vraiment complètement changer la sécurité en vol et une réduction des crashs qui serait vraiment pas négligeable. Donc en fait, la vraie question que je me pose, c'est 1. Est-ce que le Skydio 2 a vraiment pris une trop grosse avance par rapport à DJI et qu'ils sont un peu en panique en essayant de trouver comment faire pour arriver à reproduire plus ou moins le même système de détection d'obstacles? 2. Est-ce que ça va pas obliger les drones à ne plus être pliables? Parce qu'on a vu le Skydio 2, pour éviter d'avoir à recalibrer ses caméras à chaque fois, les bras ne sont pas pliables, donc est-ce que ça va changer la morphologie de nos appareils en sachant que c'est une fonctionnalité qui est très attendue? Et en bonus, est-ce que ça va pas trop augmenter le poids de l'appareil? Est-ce que ça va pas peser sur l'autonomie? Donc est-ce que cette fonctionnalité va vraiment être intégrable sur tous les drones grand public? Ça reste pour l'instant mystère. Est-ce que le full mi va arriver sur nos appareils? Pour l'instant, ça reste un mystère. Ouais, je vous avais dit que ça serait une vidéo plus détendue. Hein. J'ai lu tous les textes de loi avant, hein. Faut pas trop... Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Alors, sujet qui revient également très souvent, c'est le prix de l'appareil. Vous êtes beaucoup à souhaiter un prix entre 900 et 1200 euros, ce qui semble être un palier, hein, quand même un gros maximum pour un budget quand même amateur assez éclairé. Je pense qu'il faut pas trop rêver non plus, parce que si DJI sort toute cette nouvelle fonctionnalité, et je pense qu'ils le feront, ils vont pas sortir un appareil qui est en retard sur son temps, faut au moins tabler sur un budget du haut de gamme du Mavic 2 de la dernière génération, qui était sorti à 1500-1600. Donc, est-ce qu'il y aura une version un peu en retrait en termes de fonctionnalités qui permettra d'atteindre un budget de 1250 euros à la sortie comme le Mavic 2 Zoom, ou est-ce qu'on va se retrouver forcément avec un budget très important pour le matériel? Bon, on n'en sait rien, mais je pense pas qu'il faille espérer avoir un drone qui soit aux alentours des 1000-1200 euros, je pense que ça sera forcément plus. D'autant plus que si la DJI fait un appareil avec des innovations en termes de la vidéo, on y reviendra un peu plus tard, ça risque de cannibaliser un petit peu les ventes, un petit peu.
tout petit peu les ventes de l'Inspire. Donc du coup, faut pas trop non plus qu'ils soient abordables pour le grand public pour eux, parce que ça viendrait un peu entraver la vente de leur gros matériel pour le cinéma. Déjà qu'il y a plein de prestations qui se font déjà au Fantôme ou Mavic 2, faut que l'Inspire garde un certain intérêt pour les personnes qui l'achètent. Alors après, le SkyDuo 2 par exemple, lui, fait 999$ plus les taxes, donc on est sur un budget quand même raisonnable. Donc est-ce que ça va peut-être tirer un peu les prix vers le bas? C'est peut-être possible aussi. Maintenant, on va parler d'une partie qui est super importante et super intéressante pour vous, bien sûr la partie vidéo. Déjà dans un premier temps, le capteur. Est-ce que DJI va sortir un capteur plus grand que le capteur 1 pouce, ou est-ce qu'on va rester sur un capteur 1 pouce au maximum? On sait pas, mais étant donné qu'il y a un partenariat maintenant avec la marque Hasselblad, enfin plus qu'un partenariat, ils les ont carrément rachetés, peut-être qu'on pourra arriver à avoir des capteurs un peu plus importants. Sur l'Inspire, ça va bien au-delà d'un pouce en termes de capteur. Est-ce que pourrait y avoir un entre-deux et un capteur un peu plus grand sur le Mavic? Ça serait pas mal. Je commence à être assez gourmand maintenant au niveau capteur, en termes de qualité d'image sur des capteurs plus grands, entre autres grâce à la 7 III qui est en train de filmer. D'ailleurs, si vous voulez avoir tous les détails sur les caméras, je vous mets une vidéo en fiche. Et c'est vrai qu'avoir une plage dynamique un peu plus importante, des détails un peu plus précis sur les images, je vous avoue que moi ça me plairait bien. Et ça serait peut-être ça qui serait prioritaire sur le reste. Le capteur. Capteur. Mais la deuxième chose qui ressort et qui est aussi très importante, c'est au niveau des optiques. Quelles sont les optiques qui vont sortir? Donc il y a certains commentaires qui me disaient « Ah, ça serait trop bien qu'on ait à la fois les avantages du zoom et du pro en ayant un zoom optique sur un capteur 1 pouce. » Ce serait effectivement franchement chouette. Mais en fait, pour moi, le must have sur ce modèle, ça serait vraiment d'avoir des optiques interchangeables. On pourrait du coup, comme pour l'Inspire, avoir des optiques fixes et on pouvoir modifier la longueur focale en fonction du type de prestation, à la fois par rapport aux marges de sécurité qu'on aurait par rapport au bâtiment, mais aussi par rapport au rendu qu'on souhaiterait avoir. On l'a vu sur la vidéo, comment reproduire l'effet du Mavic 2 Zoom sur le Mavic 2 Pro. Cette longueur focale rajoutait vraiment du cachet à l'image et ça serait vraiment chouette d'avoir ça sur un Mavic 2 avec un capteur d'au moins 1 pouce. Mais aussi, je pense, pour tout ce qui est inspection, pour pouvoir changer avec une caméra thermique par exemple. On a vu l'Evo 2 qui proposait des nacelles interchangeables, d'après ce que j'ai pu voir, je suis pas sûr à 100% de cette info, avec des caméras thermiques qui avaient une résolution de 640x512 à peu près. Donc on aurait enfin des vraies caméras thermiques sur des nacelles interchangeables, ce qui permettrait vraiment d'avoir un matériel de base qui soit hyper polyvalent. Ça serait génial, mais en même temps j'y crois pas trop, parce que la polyvalence du matériel chez DJI, c'est pas trop ça. Ils sont plutôt du genre à brider leur matériel pour que vous puissiez tout racheter, un peu comme Apple. Faut tout racheter. Donc si on fantasme un peu, qu'on combine un peu tout ça, ça ferait un capteur micro 4 tiers avec optique interchangeable sur lequel on puisse mettre éventuellement des longueurs focales différentes, et même une nacelle interchangeable sur lequel on puisse mettre une caméra thermique. Oh, ça serait le pied. Ça ferait vraiment un appareil hyper complet, ça serait génial. Mais dans la vidéo, on m'a souligné aussi quelques autres choses qui seraient intéressantes, comme par exemple la caméra 360. On a vu que Insta Air, je vous mets le lien du Drone News sur lequel on en parle, pouvait maintenant faire des vidéos en 360 adaptées sur le Mavic 2 pour vraiment gommer tout ce qu'il y a autour de l'appareil et avoir une image complète sur un drone grand public. Alors si DJI pouvait sortir un truc comme ça avec une ou deux Osmo, ça serait top. Mais également, on a eu des suggestions un peu plus techniques, comme un meilleur débit linéaire, un débit qui soit présent sur tous les modes vidéo, voire même du RAW vidéo. Alors le RAW vidéo, j'y crois pas du tout, parce que sur l'Inspire, il fallait carrément mettre un SSD pour pouvoir shooter du RAW vidéo, tellement que ça prend de la place. On peut toujours rêver, mais je pense qu'il y aura quand même 2-3 limitations techniques. Et ça nous emmène naturellement vers la résolution de l'image. Donc certains d'entre vous ont demandé à ce que l'appareil filme du 6K, du 8K comme l'Evo. Alors moi, je mettrai un gros bémol là-dessus. Pourquoi? Parce que déjà, enregistrer un 4K de bonne qualité, c'est compliqué. Le Mavic 2 Pro aujourd'hui est limité à un 4K 30 images par seconde. Déjà, si on pouvait avoir un 4K 60 images par seconde avec un débit d'enregistrement un petit peu plus élevé, ça serait vraiment pas mal. À la limite de la 6K, pourquoi pas, mais de la 8K aujourd'hui, ça sert vraiment à rien, quoi. On n'a pas des débits d'enregistrement qui sont suffisants pour que ça soit qualitatif. Donc, bonne 4K 60 images par seconde, ça serait déjà pas mal. 6K, ça serait bonus, pas forcément nécessaire, mais déjà une bonne 4K. Et pour vous dire à quel point c'est compliqué, vous voyez, là on est en train de tourner avec la 7 III, qui est quand même un matériel de référence dans la vidéo. Et la 7 III, elle est limitée également à la 4K 30 images seconde. Et quand on fait un tournage comme ça, si on laisse sur les paramètres par défaut, la caméra, elle surchauffe et elle s'éteint. Vous pouvez demander à Mathis, qui était très content, de devoir retourner tout son premier tutoriel parce que la caméra s'est éteinte à cause de la 4K. Témoignage de Mathis maintenant. Ça marche bien. Ça marche bien.
Donc certes, le drone est un peu mieux ventilé qu'un OC3 grâce aux hélices qui est juste dessus, mais ça reste quand même des problèmes, hein, la surchauffe lors de l'enregistrement avec de la 4K. Bon, et puis tout ça, bien sûr, pour que ce soit parfait, il faut que ça respecte la réglementation, et les deux choses qui vont déterminer si l'appareil va pouvoir être normé dans la future réglementation européenne, je vous invite à voir la vidéo sur la réglementation européenne qu'on a fait il y a pas longtemps, c'est d'une part le poids, il faut que ça soit sous 900 grammes pour rester dans une catégorie qui reste raisonnable en termes de limitation, et c'est également le bruit au niveau de l'appareil, donc est-ce que les hélices vont pouvoir être un petit peu améliorées pour pouvoir diminuer le bruit à 84 décibels, ce qui est absolument nécessaire pour être normé dans cette catégorie, et ben ça, à mon avis, ça doit être un gros travail d'ingénierie aussi. J'imagine trop les ingénieurs de chez DJI, genre « Oh, on a fait l'appareil parfait, il y a tout ce qu'il faut au niveau de la nacelle, mais il est trop lourd, oh, il fait 904 grammes comme le Mavic 2 Pro, non !» Ça doit vraiment être un casse-tête pour eux, hein. Les gars, on vous soutient. Bon, en vrai, ils sont chinois, donc ils comprennent rien de ce que je dis, donc il y a certainement même pas cette vidéo. Attends, Mathis, on tente un truc? Allez les gars, bon courage pour la conception du Mavic 3. Mathis, mon père, approuve ce message. Tu parles même pas chinois, non? J'ai rien compris, ça se trouve, ça dit « Vive le Sky de 2 ». Ok, les derniers points sur lesquels vous avez pas mal débattu, la télécommande. Est-ce qu'on garde une télécommande simple? Est-ce qu'on met un écran pour avoir la vidéo dessus? Ce qui serait pas mal, hein, d'avoir une télécommande avec un écran intégré directement. Alors vous allez me dire, mais c'est la Smart Controller. Oui, c'est la Smart Controller, mais ça serait bien d'avoir une télécommande avec un prix raisonnable. Non, sérieusement, déjà, avoir une télécommande de base qui est de l'autonomie, ce serait chouette. Quand je suis obligé de me balader avec une batterie externe pour recharger la télécommande, parce que DJI ne me laisse pas le choix de recharger mon téléphone automatiquement et enlève cette option dans les paramètres si j'ai pas d'iPhone. Il y a deux, trois petits détails comme ça qui font qu'au quotidien, ça serait bien pratique d'avoir une télécommande avec un peu plus d'autonomie, ou au moins qui nous laisse le choix de recharger ou non le téléphone. Et moi, il y a un truc que j'aime pas trop avec la Smart Controller, c'est qu'on est vite limité avec un écran de 7 pouces. Moi, j'aimerais beaucoup qu'ils sortent un écran de 10 pouces comme l'iPad que j'utilise actuellement, parce que moi, je me passerais pas de mon iPad 10 pouces, c'est super confortable pour le vol. Donc, s'il pouvait y avoir genre un Crystal Sky ou un add-on qui permettent d'avoir un grand écran, moi je serais le premier partant. Petite parenthèse aussi sur le système ADS-B, comme le Mavic d'Enterprise a, c'est-à-dire un système qui permet de détecter les transpondeurs des appareils type avion, hélicoptère. Je pense que c'est un truc qui va se généraliser, et de toute façon, DJI avait fait la promesse qu'il y aurait de plus en plus de capteurs de ce genre dans leurs futurs drones pour pouvoir améliorer la sécurité. Donc je pense que c'est un élément qu'on retrouvera certainement dans le Mavic 3. Voilà, donc si on fait la synthèse de tout ça, en gros, sur vos demandes, sur les fonctionnalités que vous souhaitez, on retrouve un mix entre le SkyDio 2 et l'Evo 2. Et ce qui est super intéressant de remarquer, c'est que c'est l'une des premières fois où en fait je vois que les demandes de fonctionnalités sur le Mavic, ce sont des demandes de fonctionnalités qui existent chez les concurrents. Alors est-ce que DJI prend du retard? Est-ce que c'est à cause de la réglementation européenne, ils ont fait le choix de repousser leur développement? Est-ce qu'il y a vraiment un changement sur le marché avec de nouveaux acteurs? Je pose vraiment la question. Mais là, DJI a presque le statut d'outsider sur cette gamme, et ça va être super intéressant de voir comment ça évolue sur le marché. Alors est-ce qu'on va avoir un Mavic 3 qui va arriver et bim, qui va tout de suite tuer la concurrence, ou est-ce que les innovations qui sont chez les concurrents aujourd'hui vont pouvoir subsister un peu et avoir un vrai avantage concurrentiel qui va leur permettre de se développer, ce qui serait pas mal pour la concurrence? C'est une vraie question, mais je tiens toujours à préciser que DJI peut surprendre, et bien souvent on n'a pas vu venir certaines fonctionnalités, et on n'est pas à l'abri d'une grosse surprise de DJI qui permettrait de mettre tout le monde d'accord sur le fait qu'ils sortent à nouveau le meilleur appareil dans leur gamme. Alors quand est-ce qu'il va sortir ce drone? Eh ben, je pense que certainement ils doivent attendre la réglementation, et la réglementation européenne, faut qu'elle soit fixée, ensuite faut qu'elle soit adaptée par les États. Par exemple, il peut y avoir des adaptations spécifiques, comme le coupe-circuit et le parachute, c'était vraiment un truc qui existait quasiment qu'en France. Donc DJI, ils doivent peut-être attendre de voir ce qui existe sur le marché pour voir si leur appareil peut coller aux différentes réglementations. Parce que s'ils sortent un Mavic par an, tous les un an et demi, s'ils se plantent sur le Mavic et qu'il n'est pas utilisable dans les règles, bah, j'imagine que ça leur posera de gros soucis. Est-ce qu'il faut l'espérer tout de suite? Je pense pas. Je pense que ça arrivera plutôt en deuxième partie de l'année 2019, le temps que la réglementation se mette en place, le temps que les normes sortent, etc. Donc, va falloir qu'on continue d'utiliser nos petits Mavic, ou peut-être de passer à la concurrence en attendant de voir quelque chose de nouveau. D'ici là, je vous remercie énormément d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout, mais également d'avoir été énormément à participer sur la vidéo de la réglementation qui a fait faire un petit bond à notre chaîne. Merci beaucoup. Également, tous ceux qui participent sur les réseaux sociaux, on est vraiment content de voir qu'il y a un esprit communautaire, les gens s'entraident entre eux, et ça, c'est vraiment super chouette. Donc continuez comme ça, c'est en s'aidant les uns les autres, en partageant nos passions, qu'on aimera le plus voler, qu'on prendra le plus de plaisir à le faire. Merci encore, je vous souhaite de bons vols, et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de la Post Tech. Salut !